D'où que vous veniez, quoi que vous ayez fait, où que vous alliez, vous êtes les bienvenus pour ce moment qui s'annonce incroyable. Et oui, c'est ça le foot, c'est le partage de la passion, de la tension, de l'émotion. Jamais dans la vie, on sera aussi nombreux à ressentir exactement la même chose au même moment que la magie opère. On n'a qu'une hâte maintenant, c'est que ça commence. Salut tout le monde, nous sommes à Marseille, à l'Orange Vélodrome pour être précis. Au micro, Omar et Benji, la team Dada donc, qui vous fait vivre les plus grandes aventures. Ça va être un plaisir de suivre cette rencontre, la France contre l'Argentine. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon amour pour la balle et les mots qu'elle inspire. Nous allons vivre une manifestation amplifiée et ravivée de la pensée. La compo donc de l'équipe de France. Et voici le 11 qui va débuter pour l'Argentine. Ah, bonne progression, balle au pied. Oui, il faut frapper maintenant. C'est contré. Santana. Et le face-à-face à venir. Et c'est une frappe. Oh, il y a encore le feu. Et finalement, ça ne donne rien. Le Sommer. Eugénie Le Sommer. Ouais, superbe défense. Il faut centrer là-dessus. Vers l'intérieur. Oui, c'est bien donné. En retrait, dans la surface. Magnifique ce contre. Mayorga. Bonsegundo. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Et cette frappe va finir directement sur le parking du stade. L'ABC du football, le corps trop en arrière au moment de la frappe. Du coup, le ballon prend une trajectoire trop ascendante. Selma Bacha. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Santana. Peut-être une occasion à venir là-dessus. Ouais, la vista avec cette passe. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Goal, 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 goal. Ça ne traîne pas dans ce match. Et tant mieux, déjà l'ouverture du score. Faire reculer ton adversaire, l'empêcher de respirer jusqu'à ce qu'il perde ses repères. C'est ça qui amène le but. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Gayoro. Périsset. Des solutions en attaque là. Le Sommer. Tenter sa chance de loin, pourquoi pas. Mais il faut évidemment cadrer son ballon. Cadrer tout en conservant la même puissance. Kenza Dali.
et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Allez, contrer cette frappe. Ça va vers le point de pénalty. Bon timing pour cette reprise de la tête. Quelle occasion! La tête a failli tromper tout le monde. Hein. Le ballon est venu frôler le poteau, mais du mauvais côté. Ah, le ballon est perdu. Ah, le Sommer qui s'approche, il faut faire le bon choix. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Bon secondo. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Et le ballon était bien écarté. Le corner, c'est dégagé, aucun problème. Dans le couloir, Eugénie Le Sommer. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement, derrière, le ballon est perdu. Allez, pourquoi pas un tir? Si près de la surface, ses supporters attendaient la frappe, mais sans doute pas celle-ci. Enfin, ça manquait de précision, il y avait sans doute beaucoup mieux à faire sur cette action. Ah, il y a du talent dans le football féminin français, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire quand on voit cette sélection. Petit à petit, il commence à y avoir un public, un championnat qui se structure très bien et attractif pour pas mal de joueuses très prestigieuses. Que des bonnes nouvelles en fait. Et oui, la faute évidemment, et elle vient couper l'attaque. Et voilà un carton jaune distribué très tôt dans ce match. Le carton conditionne la suite du match. Il va falloir absolument maîtriser ses interventions. Et la bonne parade sur le coup franc. Un corner qui est bien ajusté. Le danger est éloigné. Et balle au pied, c'est une bonne progression ça. Attention à ce tir. Ah, le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Et au final, ça ne donne rien. C'est une récupération du ballon sur cette action. Le Sommer. Bien parti dans le dos. Et c'est au fond des filets. L'égalisation. Et voilà donc ce match relancé. Quelle contre-attaque!
Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Et pour conclure, la balle est catapultée dans le but. La force, ce n'est pas incompatible avec la précision et la beauté. Ah, le score de parité est donc un partout. Il y a du monde en soutien. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Gianni. Ballon pour le Sommer. Ouh, la faute là, et surtout dans cette position, ça peut coûter très cher. Eh oui, carton rouge, il n'y a vraiment pas de quoi hésiter là-dessus. C'était une occasion nette. Eh oui, occasion nette. Faute grossière et donc exclusion. C'est tout à fait logique. Le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Et cette action s'arrête là. Ah non, il est perdu ce ballon. Pacha. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Ah non, finalement le ballon est perdu. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Attention pour mener au score peut-être. Eh, le ballon écarté de la zone dangereuse. C'est une faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Non, ça ne donne rien. La défense dégage le ballon. Oh, il y a de l'espace, là, il faut en profiter. Ah oui, quelle intervention. Et le ballon qui est mis hors de danger. Et oui, si tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, c'est gagné. Ah, le ballon est perdu. Mayorga. Ah, magnifique ce dribble. Ouh, il y a danger là. Et quel arrêt sur ce ballon. Le danger est écarté. Superbe réflexe. En général, à cette distance, ça fait but. Ah, c'est pas bien relancé ça. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer, ça sera déjà un bon début. Gianni.
Attention à cette action. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Oh oui, le but! En dedans, la défense s'est laissée surprendre. On le revoit, ce but, c'est vraiment dommage parce que ça arrive juste après une très bonne parade, mais finalement le ballon est repris et ça n'aura servi à rien du tout. Voilà, c'est reparti dans ce match et le score maintenant est de 2-1. Oui, bien fait ça. Ah non, il y a hors-jeu là-dessus, le drapeau s'est levé. Segundo. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Voilà, très belle ouverture. Allez, contrer cette frappe. Allez, le bon geste défensif pour couper l'attaque. Pour égaliser et ça tape la barre, ballon toujours en jeu et un arrêt relativement simple grâce à l'aide du poteau qui renvoie le ballon et ça lui rend bien service ce petit coup des mains pour mettre fin à cette offensive. Le ballon de l'égalisation a été renvoyé par le cadre mais il faut et attention, son ballon dangereux. Oh, superbe réflexe. Mayorga. Et une possibilité là pour centrer. Le ballon part au deuxième poteau. Oh, le but de l'égalisation! Ça les relance complètement. Et tout ça en infériorité numérique. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. Score de parité, 2 buts partout au tableau d'affichage. Ah, il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Et c'est sifflé, c'est hors-jeu ça. Mbok. Le Sommer. Allez, Sommer qui porte le danger. Avec de la puissance, malheureusement, de peu à côté.
Monsegundo. Il y a du soutien en attaque. Elle parade, mais le ballon est toujours en jeu. Et au final, cette attaque s'arrête là. Wendy Renard s'impose. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Il y a faute, mais avantage. L'arbitre là, elle fait signe de continuer. Et on lève la tête là, peut-être un centre. L'occasion de prendre l'avantage. Arrêt et aucun doute pour l'arbitre, c'est pénalty. Et c'est donc un carton jaune pour cette faute, en plus du pénalty évidemment. C'est une faute d'inattention qui peut coûter cher à toute l'équipe. Le 3-2 peut-être. Et dans les règles de l'art, très bien tiré ce pénalty. C'est une science de pénalty, pas un 2-3 soleils. Rester dans l'île était osé, c'est pas toujours efficace. Ah, le score est maintenant de 3 buts à 2. Grâce Gayoro. Gayoro. Et le bon centre là peut-être. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. La mi-temps approche à grands pas et pour l'équipe locale, ce sera peut-être l'occasion de faire quelques ajustements. Pour l'instant, ce n'est pas un mauvais match de leur part. Il y a encore des fragilités défensives à corriger. En deuxième mi-temps, il faut y remédier et revenir. Son but de retard n'est pas irrécupérable. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Et pourquoi pas une contre-attaque là. Tiani. La possession leur échappe. Monsegundo. Et bien fait, attention à l'occasion. Un ballon renvoyé, l'action continue. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Monsegundo. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Monsegundo. Ah, pas mal, il y avait de l'idée, mais ça passe au-dessus. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Le Sommer. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Et la super intervention d'Amandine Henry. Mayorga. Monsegundo. Ah non, là, la balle qui est perdue. Dali. Ah, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Cometti. Elle laisse échapper le ballon. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Ah, il faut qu'elle prenne sa chance là. Oh oui, la frappe. Et oui, le bon réflexe. Une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner. Le public pousse et il y croit à cette égalisation.
vers le point de pénalty. Ah, pas besoin de forcer son talon sur ce corner, c'est capté. Ça sort en touche. Henri. Et Amandine Henri peut porter le danger. Le tir. Et le ballon passe loin du cadre sur cette frappe lourde. À cette distance, il y avait beaucoup mieux à faire. Elle passe son adversaire et elle continue sa course. Oh, la frappe! Goal, 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 goal! Et il est important ce but! Il leur permet de faire le break! On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Au tableau d'affichage. Amandine Henry. Il y aura 5 minutes de temps additionnel. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Allez, il faut la tenter. Et c'est loupé, pas de réussite. Ballon perdu par le Sommer. Ouais, c'est une transmission interceptée. On sent un certain énervement dans les tribunes du stade. En même temps, ce n'est pas très surprenant vu la prestation assez indigne proposée par leur équipe. Sur l'occasion pour revenir. Oh, quelle intervention là, bien joué. Léger frémissement dans le public avec ce corner. Un but maintenant permettrait de se remettre dans le match. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Le corner. Ouais, superbe défense. Encore un corner à jouer. Katoto. Oh non, complètement raté ce centre. Et ça va donc en sortie directe. Et l'arbitre lève son drapeau en jeu.
Et c'est donc la mi-temps dans ce match. Les deux équipes prennent le chemin des vestiaires et dans les tribunes, grosse colère des supporters qui n'ont pas digéré ce pénalty. C'est vrai qu'un pénalty sifflé si tôt dans une rencontre, ça change complètement un match. Mais c'est fait. Et maintenant, il faut se concentrer sur la suite de la rencontre. Il reste évidemment encore une mi-temps à jouer. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Ouais, très bonne conservation du ballon. C'est une faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Ah, la différence est faite. Et peut-être le but pour revenir. Ah, le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. C'est imparable. Le ballon qui revient. Et sans réfléchir, tu te mets un peu de côté et là, déclenche la foudre. Qu'est-ce que c'est beau, magnifique. Ah, nous sommes gâtés, le score est maintenant de 4-3. Ouais, sous la pression, bonne couverture de balle. Bon segundo. Ouais, la vista avec cette passe. C'est contré. Et le ballon sort du terrain, c'est donc une touche à suivre. Une possibilité là pour centrer. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Ah, il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. La récupération haute, le pressing est payant. Un bon contre à jouer peut-être. La contre-attaque fait mal à la défense. Et du mouvement pour aller porter le danger. Quelle intervention, elle est hyper importante. Marie-Antoinette Katoto. Katoto. Goal, 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 goal pour un comeback. Pour un retour, et ce match est loin d'être terminé. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur esthétique. Encore un but dans ce match très ouvert. Le spectacle est grandiose et il reste encore des minutes à jouer. Allez, il y a de la place sur ce côté. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Ça sort des limites, c'est une touche. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Et cette frappasse qui fait trembler l'adversaire.
Les stats nous montrent bien que ce match est complètement incontrôlable. Et c'est ça qu'on cherche dans le football. Cette folie qui nous emporte. Vamos! La frappe de Katoto! Oh, c'est contré! Ouais, c'est un pressing efficace. Très bonne couverture du ballon. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Segundo. Bonne progression dans le camp adverse. Et le bon centre là peut-être. Attention, grosse occasion. Oh, la bonne parade. Corner. Et ce corner est dégagé par la défense. Ah, occasion manquée, dommage. Khalid Yatou Diani. Grâce Gayoro. Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer, ça sera déjà un bon début. Allez, changement donc. Segundo. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Et ici l'occasion pour mener. Oh, le ballon là qui est repoussé. Ça va vers le point de pénalty. La défense éloigne le danger sur ce corner. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Une grosse opportunité, attention. Ah, il y a encore danger. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Intervention de l'arbitre. Et on revient donc à la faute. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et le face-à-face à venir. Ah, il y a encore le feu. Ah, c'est une interception réussie en pleine surface. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Allez, il y a un contre à jouer maintenant.
Allez, pourquoi pas un tir? Casso. Ah là là, Dombasso! Incroyable! Fou! Délireux! Exceptionnel! Le troisième but pour le hat-trick. Quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le début du match. Un scénario invraisemblable. Le score est donc de 5 buts à 4. Et oui, il est récupéré ce ballon. Ah, bonne progression, balle au pied. Un peu de chance pour tenter une frappe. Et bel arrêt, mais c'est pas fini. Oh, c'est relâché ce ballon et donc le but. Quel manque de maîtrise! Malheureusement, dans le but, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et là, l'erreur, on le revoit. C'est ce ballon qui est mal contrôlé et retombe dans les pieds adverses. Derrière, à ce niveau, bien sûr, ça ne pardonne pas et ça fait but. Buts à 4 au tableau d'affichage, c'est un match d'une autre dimension. L'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Et pourquoi pas, de loin. Segundo. Bon segundo. Et le bon centre là peut-être. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. C'est un ballon de contre à jouer. Ouais, c'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. Attention la frappe. Excellente intervention. Bien tiré dans la surface. Grosse occasion pour réduire le score. Quelle occasion, ça passe vraiment proche du but. Si le ballon entre, plus qu'un but d'écart et tout peut changer. Diani, avec autorité, le ballon récupéré. Et c'est sifflé, c'est hors-jeu ça. Renard. Ça arrive pour Mbok. Dali. Katoto. Il faut tenter sa chance. Ouais, superbe défense. Ballon déposé à l'entrée de la surface. C'est contré. Et hors-jeu là, dommage. Oui, la défense est restée attentive. Elle s'est bien alignée. Oui, bien fait ça. Ah, une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision, votre principal défaut.
C'est une transmission bien coupée. Il faut apporter le danger maintenant. Bien joué, elle remporte son duel. Un centre capté sans difficulté. Montegusto. C'est le but, le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité, très belle performance individuelle, la preuve avec ce doublé. C'est le but typique de Renard de surface, c'est lui qui est toujours bien placé et qui ne met jamais, très rarement, de but dehors de la surface. Le jeu reprend et le score est désormais de 6 buts à 5. Quel scénario! C'est pas terminé, tout est possible, c'est un match épique. Oui, bonne intervention. Sous pression, mais le ballon est toujours dans ses pieds. Pas de faute, c'est bien défendu. L'équipe peut jouer le contre. C'est un bon ballon, ça. La belle intervention, là, c'est hors de danger. Qu'est-ce que c'est bien joué. Anticipation, calme, résolution. Il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon. C'est un corner bien joué, bien frappé. Le ballon change de camp. Elle passe son adversaire et elle continue sa course. Tiani a l'occasion de faire parler sa frappe. Elle est contrée cette frappe. Bonsegundo. C'est une bonne défense avec cette interception. Ballon dans le couloir avec un peu d'espace. Une possibilité là pour centrer. Le tir. C'est bien défendu. C'est un pressing efficace. Oui, bien joué, le bon mouvement là. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Grâce Gayoro. Olé, belle technique là. Katoto. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note. Son corps est parfaitement en équilibre au moment de poser son pied d'appui. Ce qui fait que toute l'énergie est transmise au ballon. Quel zapatasse! Le spectacle est plaisant, les deux équipes sont en réussite aujourd'hui. Bonsegundo. Santana. Et c'est une frappe. Superbe défense.
Le drapeau qui s'est levé, hors jeu signalé. La passe a été donnée trop tôt. Ça lui a pas laissé le temps de se replacer. Voilà, changement donc. Il y a du monde en soutien. Grâce Gayoro. Ouais, c'est bien fait ça. Majri. Et quelle efficacité! Quel sens du but! Voilà, un troisième but d'avance. La simplicité alliée à l'efficacité, ça donne une aisance, une fluidité dans l'action. Tout est affaire de placement juste. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Le ballon change de camp. Et peut-être un bon contre à négocier là. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Il y a de l'art, de la création, de l'enthousiasme, de la beauté. C'est ça le football. Revenez au jeu, regardez. C'est un ballon capté sans difficulté. Ah, il faut s'appliquer sur la passe, c'est perdu. Bon segundo. Le ballon change de camp. Allez, il faut lever la tête maintenant. Et c'est finalement dégagé. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Santana. Et c'est le moment de déclencher. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Ah, c'est mal géré ce duel. Eh, le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. Ah, la défense s'en sort bien sur l'action. Ah, est-ce que ça va partir en contre là? Et le but, encore et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Puissance, placement, précision, il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. À quel match! C'est un véritable festival de buts auquel on assiste aujourd'hui. Ah, bonne couverture de balle pour conserver la possession. Ah, bien joué, elle remporte son duel. Ah ouais, bien fait, elle finit par remporter ce duel. Dali, ah, la défense est battue. Ah, le bon réflexe là.
Ballon dans la surface. Et cette reprise de volée, malheureusement, n'est pas cadrée. C'est l'un des gestes de football le plus difficile à réaliser parce qu'il demande une parfaite coordination. Cette fois-ci, ça passe assez largement loin du but. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Olé, belle technique là. Attention, Melmajri. Intervention réussie sur ce ballon. Le corner. Bien parti dans le dos. Oh non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. À cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. La possession change de camp. Sortie en touche. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. La frappe, ça part bien. Ouh, c'est contré, in extremis. Bon segundo. Grâce Gayoro. Santana. Faute, mais l'arbitre laisse jouer. Avantage. Et les voilà en possession du ballon. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Oui, bien fait ça. Un peu de champ pour tenter une frappe. Et la belle parade là. Cornea. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Ah non, c'est contré. Le ballon sort. C'est une touche. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Ah, le contre est possible. Le ballon change de camp. Olé, le bon mouvement. Mais comment leur en vouloir là-dessus, parce que ce compte était parfaitement négocié. Il ne manque plus qu'un peu de réussite. Avec Majri là qui va attaquer. Et c'est le moment de déclencher.
Et c'est bien défendu et ça écarte le danger. Et la pression pour empêcher la relance. Ah, le ballon est parfaitement conservé. Bon espace à utiliser sur le flanc de la défense. Et pourquoi pas ici. Ah, le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Oh oui, le but, et quelle erreur surtout à ce niveau-là. Évidemment, ça ne pardonne pas. On revoit maintenant l'action, la balle est renvoyée dans la zone dangereuse. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas, d'autant qu'en face, il y a des clients. Ah, c'est un véritable festival offensif dans ce match. Ça fait plaisir de voir autant de buts. On est vraiment privilégié. Oh, le ballon qui est perdu. Katoto. Ouais, facile, ça passe. Et la frappe puissante passe de peu à côté. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Frappe puissante, mais ça passe loin du but. La spontanéité, c'est bien, mais il faut aussi de l'efficacité. C'est terminé, donc le coup de sifflet final dans cette rencontre et une bonne victoire de l'équipe locale. Voilà, c'est une magnifique prestation. On a eu de la passion, de l'émotion, de la beauté et des buts. Thank you.